Salut à tous, c'est Galaxy2 pour la deuxième partie de la série sur Dragon Age Inquisition. Alors on s'était retrouvé où que il y avait la petite cinématique avec le groupe là, ils nous demandaient des trucs, je sais plus c'est quoi. Ce qui veut dire, ce qui a empêché votre marque de vous tuer pendant votre sommeil, et oui ils disent expliquer ce qu'il c'était. Je dis en merci. Alors, je dois vous remercier. Vous me remercierez si nous parvenons à alors en bas à gauche, tout cela ça prouve les germes. Alors en fait faut essayer de convaincre les gens et tout. Votre prisonnier n'est pas un mage. A vrai dire, j'aurais peine à croire qu'un mage puisse être aussi puissant. Ouh, mais trop puissant. Faut vite qu'on gagne un camp avancé. C'est chelou, les RPG, genre on est tout puissant que les autres. C'est un nain en fait, on a pas vu. Ah, il est bien stylé notre perso. Ah oui, par contre, ouais, ça c'est bizarre. On avait le casque, maintenant on l'a plus. Ah non, au contraire. On l'avait pas pendant la cinématique et après on l'a maintenant. Enfin, trouver donc compagnon, voilà, c'est stylé. Genre on change direct de mec. Lui avec sa toute petite arbalète là. Petit retour, bien sûr. Après il y a le mage. Et la meuf qui défonce tout le monde. Je vais prendre le mage. Allez, on va se fight. Fuck you. Alors, pas sûr en mode. Ah ouais, ça c'est un peu stylé. Alors voilà, là on voit tout, on peut faire passer les combats et tout. On peut passer les combats et après en fait on peut choisir les ennemis. Oh oui, mort one shot. Choisir les ennemis qui doivent être attaqués en. Enfin, plus que les autres et tout. Comme ça, hop, attaquer. Ah, c'est trop bien foutu ça. Nous, on va attaquer. Y a qui d'autre? Lui. Ouais, non, nous on est à. Non, c'est mieux qu'on attaque lui en fait. Elle peut faire qu'une chose à la fois apparemment. Et elle on va. Oh non, elle on s'en fout, on laisse comme ça. Merde, j'avais pas vu lui. Il est où? Elle est sur la meuf. Non, sur le mage. Ah mais putain, je peux pas passer. Oh putain, faut monter les. On trouve dans le jeu, c'est bon. Oh, j'ai l'impression. La vue elle a reculé. Maintenant que je prends bois, c'est bizarre. Putain, là, je suis trop bas là. Oh, c'est trop cool. Fouillé. Alors. Merde. Limite. Fail. Voilà. Sauf qu'on aille là-bas, moi. Regardez en fait ce qui est écrit sur les attaques, on va pas mettre en attaque. Genre il y a écrit affaiblissement et tout, faut faire gaffe. Alors faut faire gaffe si on est affaibli, faut mettre une potion spéciale, mais là on n'est pas encore le level ni les. Ni on n'a pas encore avancé. Mais... Je prends un truc là. Je prendrai le dessus, trop puissant. Nous verrons ce qu'il en est au campement avancé. Nous y sommes presque. Il y a le feu. Oh shit, putain j'ai regardé mon téléphone, j'ai pas fait gaffe. Parce que je vais chronomètre le truc. Une autre faille. Nous devons la fermer. Ok. Il ne cesse faut la reprendre l'autre. Non bah rapidement je devrais ça a rien à voir le mode de. Putain, ah j'ai pas fait exprès. Ça a rien à voir le mode de. Facile le mode normal. Les archives personnelles. Ouais, ça j'ai déjà vu. Ça c'est pareil que l'autre, mais en ce que là on peut mettre les compétences. Alors capacité. Ça j'ai déjà lu. En gros là c'est les compétences comme tout n'importe quel. Comme n'importe quel RPG. Alors. Oh.
Je suis level 2. Oui, j'ai mis Nathan, juste le nom aléatoire, non, juste comme ça. En plus, il y a bien une tête de Nathan. On a gagné un truc, je sais même plus c'est quoi. Ah oui, on passe un level. Je suis perso. C'est ça, en principe, on a des points de compétence. Ouais, il y a écrit 2 points à utiliser. Alors ça, je sais pas comment on osait écrit qu'on peut ou pas. On peut, ouais, faut faire ça en gros. Non, non, c'est bon. Lui, il en faut combien lui? Putain, il n'y a pas écrit, je sais pas où c'est. J'ai bien succès entre temps. Demain, machin, bouclier. Je sais pas où c'est qu'il écrit que. On les demande. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard au pire. C'est où? Qui est nul? Ah ouais, c'est un dictateur lui. Enfin. Chancelier Roderick, je sais parfaitement qui c'est. En tant que grand chancelier de la Chanterie, je vous ordonne de conduire ce criminel à Val-Royaume pour qu'il soit exécuté. Vous m'ordonnez? Vous n'êtes qu'un pauvre commis. Un bureaucrate. Tiens, tiens, tiens. Vous êtes une cratable, soi-disant au service de la chancellerie. Chancelier, on est au service de sa sainteté. Vous le savez très bien. Justinia est morte. Nous devons élire une nouvelle ville. Et c'est à ses ordres que nous obéirons. La priorité n'est pas de refermer la brèche. C'est à vous que nous la devons, cette brèche. Sonnez la retraite. Nos efforts ici sont sans espoir. On peut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Comment? Vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le temple, même avec tous vos soldats. Il faut qu'on gagne le temple. C'est la route la plus courte. Mais pas la plus sûre. Nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes. On est toujours sans nouvelles d'une unité toute entière qui a emprunté ce chemin. C'est trop risqué. Écoutez-moi. Abandonner avant que d'autres n'y laissent leur pays. Oh, c'est long les magiques, c'est quoi. Qu'est-ce que vous suggérez? Alors, on va parler encore. De toute façon, par les montagnes. Passez par les montagnes. Coopérez. Vous connaissez tous les enjeux. Liliana. Rassemblez tous ceux qui restent dans la vallée. Tout le monde. Vous en paierez les conséquences, chercheuse. Rassemblez les coups. Donc là, on va devoir se grimper tout le truc. On va avoir moins d'ennemis si on se passe devant. Je n'ai plus qu'à chaque fois. J'ai remarqué aussi en créant le personnage, en fait, on peut garder le monde tel qu'il est avec un nouveau héros. Genre en fait, parce que selon l'inquisition, selon qu'on a choisi d'être une bonne guilde, en gros, ça change le monde. Après, les gens ne voient pas pareil, voilà. Après, genre, si t'as un monde où t'as quasiment fini le jeu, pour prendre avec un nouveau perso, c'est bien stylé.
tout le monde est content ou tout le monde est pas content. Il est toujours pas mort lui. C'est bon, ça ils ont galéré. Donc on continue. Je crois qu'on a trouvé les soldats. Ils étaient plus nombreux que ça. Les autres pourraient se tirer très loin. La crèche doit être notre priorité. Tant que nous n'aurons pas fermé, personne ne sera la même. Je laisse l'homme à la main de lumière se charger de ça. Donc en gros le jeu aussi c'est le monde, c'est un énorme monde ouvert qui est accessible ou pas et qui change aussi selon les circonstances de ton acquisition ou tout. C'est vide. Après il y a plusieurs royaumes, il y aura des fights entre acquisitions. Alors moi j'ai fermé la truc tout de suite. Ok donc en fait là ça me bloque, après il va y avoir encore plus de trucs. Les ennemis. Il y en a d'autres, super. Ils sont vraiment démoniaques les ennemis. Après on tombera plus sur des animaux à mon avis, mais là c'est bien des honnêtes, c'est dégueulasse. Ils sont pas beaux. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire un bon aftot, je crois. Ça va être vachement important toutes les failles vu qu'il y en aura partout. Et après ça nous servira pour avoir des... gagner du respect vers les villageois et tout, pour avoir des villages contre... enfin avec nous. En fait, en plus c'est un peu comme Fable en fait, mais en RPG, en un énorme RPG. Remerciez notre prisonnier, lieutenant. Il a assisté pour qu'on prenne ce chemin. Le prisonnier? Alors vous... S'il y avait une chance qu'on se puisse lui sauver, il fallait essayer. Alors je vous suis infiniment reconnaissante. La voix est une fille, c'est un peu incessant. Je vais pas tuer tout le monde. Entendu. En avant, vite, vite. Notre route semble également dégagée. Dépêchons-nous avant que ça ne change. Alors maintenant, on doit aller dans le temple. On redescend tout. Ça va plus vite, c'est cool. Shit, c'est pas fait exprès. Alors que redescendre petit à petit l'échelle, ça va être super long. Ils n'apparaissent pas accidentellement. Une quantité importante de magie mise en œuvre. C'est possible. Mais il y a des moyens plus faciles de faire exploser des choses. C'est exact. On voit de moins en plus. Oui. Ah ouais, donc là on dort ce fight contre les... Bonjour. Oh, c'est quoi ça? Il y avait une femme derrière vous dans la faille. Oui, crame. Oui, c'est des corps qui sont carrément cramés, qui sont gelés à la fois. Ok, c'est dégueulasse. Comme lui là. Ah. C'est pas bon. Ça sent le screamer d'un coup là. Par contre, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, je vous dis prochaine vidéo, c'est-à-dire l'épisode 3, et il y aura sûrement entre temps un multijoueur, une petite partie en multi pour test. Donc, ciao à tous. Et à la prochaine.